Bien, bienvenue à tous pour une nouvelle conférence. Donc un sujet un peu particulier aujourd'hui parce que, bien sûr, les contes et légendes, bon, on pourrait croire que ce n'est pas ésotérique, que ça rentre pas dans le cadre de la tradition, etc. Et que c'est, comme on dit, eh bien, des histoires pour les enfants. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on croit nos matérialistes et rationalistes, etc. Quand on parle des contes de fées, ben, au sens propre, c'est un conte. Donc c'est imaginaire, donc c'est naïf, donc c'est puéril. Eh bien, c'est ce qu'on raconte aux enfants le soir quand on ne sait pas comment les occuper. Surtout dans les siècles précédents, bien sûr, il n'y avait pas de télévision, pas de jeux vidéo, etc. Et les enfants qui avaient joué toute la journée, ben, comment les occupent le soir? Et la grand-mère pouvait dire, ah ben, je racontais une histoire, alors le petit poussé, Blanche-Neige, etc., etc. Bon, sauf que les contes, quand ils ont été créés, n'étaient pas destinés aux enfants. C'est-à-dire qu'à la base, c'est des contes pour adultes, tout simplement. Donc, quand la tradition s'est perdue de les raconter, qu'on a voulu les conserver pour les enfants, eh bien, on a tout simplement arrangé un peu les histoires et on les a édulcorées. Parce qu'il y avait des choses assez dures dans certains contes. Certains, d'ailleurs, restent quand même difficiles. Donc, on va traiter de ce sujet-là, un peu abrégé, parce que il y a des milliers de contes par pays. Et bien sûr, on ne va pas tous les raconter, et je ne les connais pas tous. Hein. Donc, merci.